Les gens, ça roule pas. C'est Dante 850, nouvelle vidéo. Metal Gear Solid, mission secondaire. On va descendre de l'hélico, on va extrader des prisonniers. Hein, j'ai envie de dire, c'est du classique, c'est du déjà vu, mais ça me fait super plaisir de vous reproposer encore une vidéo sur ce putain de jeu qui me fait kiffer ma race. Je crois, honnêtement, les gars, je crois que ça fait. Je sais pas, on va dire, allez. Depuis, oh là là, ouais, ça remonte grave. Ça fait depuis très longtemps que j'ai pas accroché autant sur un jeu et que je l'ai pas autant saigné. Ah, quoique si, peut-être GTA V sur un autre délire, mais pour avoir fini le 100% sur GTA, ouais, il me semble que c'était GTA, ouais. Que le dernier jeu où j'avais passé le plus de time, c'était GTA. Mais bon, c'est un autre délire, mais c'est quand même. C'est quand même un jeu que j'avais bien saigné à l'époque, quoi, tu vois. Et puis bah là, boum, Phantom Pain qui est tombé en septembre. Donc attendez les gars. Oui mon chien, oui. Je sais que t'as faim, tiens il est là. Et ouais, ils sont surprotégés comme d'habitude. Ah oui les gars aussi, je me suis acheté des nouvelles armes, donc là elles sont en développement parce que bon. Disons que celle que j'ai là, G44, elle est bien, mais je trouve qu'au niveau de la visée à distance, elle est pas assez. Elle est pas assez top. J'espère qu'avec. J'ai pris en développement, en arme fusil mitrailleuse, et. J'ai essayé de développer des fusils d'assaut aussi. On verra bien, hein. Parce qu'on va dire que cette arme, je l'aime bien, je la kiffe, mais. Je pense qu'il y a mieux sur le marché et que il y a des plans que j'ai pas encore récupérés. Il faudra que je refasse des missions principales pour vraiment m'amuser avec toutes les armes du jeu. Parce que moi, ce que je compte faire, c'est débloquer aussi toutes les armes du jeu. Parce que j'ai envie de m'amuser avec tout ce que le jeu nous propose. Tu vois ce que je veux dire? Jouer avec toutes les entrailles, quoi. Tu vois? C'est pas faire simplement... Ah, il doit sûrement y avoir un sniper s'il y a quelqu'un qui m'a déjà vu, non? Alors, comme ça, il y a un sniper. Hein? Bah écoute, c'est ce... Quoi? Lui, là? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ah, mais parce que vous... Putain, j'ai mal joué, là. Là, franchement, les gars, je suis dégoûté, là. Je voulais me la jouer propre. J'arrive. Premier repérage. Ah putain les gars, je suis deg. Mais comment je me suis fait repérer aussi loin et au tout début du jeu, enfin de ma vidéo. Mec, c'est quoi ce bordel? Vas-y, on va se la refaire. You come back, you retour, you rumble, ditch rumble. Mais bon, je kiffe ce jeu mon gars, je kiffe ce jeu honnêtement. Ça fait ouais, ça fait depuis GTA 5 que j'ai pas autant kiffé un putain de jeu. Et ça fait plaisir, hein, honnêtement, ça fait plaisir, hein, parce que la PS3 elle est pas encore morte, hein, malgré tout, il y a encore des jeux qui sortent dessus. Bon, c'est vrai que là, elle commence vraiment à être sur ses dernières ressources. Mais bon, hein, toute console a une fin, toute bonne chose a une fin, donc c'est pas plus mal. Hein. Il faut évoluer, tu vois. Si tu restes tout le temps sur la PS3, au bout d'un moment, voilà. Pourquoi tout à l'heure j'ai pris tout à l'heure, en fait j'ai mal jugé mon que truc, tu vois. Tu vois. AMG 63
AMG 63, AMG 63, AMG 63. Oh, j'allume 200. Oh là là, mon gars. Oh là 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 là. Ils ont ramassé, ils ont douillé, mon gars. Je crois que là, ils vont se rappeler toute leur vie. Ah bah non, ils sont morts. Ouais. Ta gueule. Putain. Putain, les gars, chaque fois, faut que je vienne vous sauver. Vous voulez pas que je vous fasse vos lacets aussi, là? Ils êtes tellement relous. Bonne note. Je vais te prendre. Fermez les yeux. Non, 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 non. Donc, ça me fait plaisir. Hein. Ça fait... Faut en profiter, un jeu de ce calibre, je l'ai dit au moins 20 fois, 1000 fois, mais voilà quoi. Je trouve que il y a encore, malgré que t'as fini le jeu, malgré que même si tu finis les missions secondaires, même si tu finis l'objectif à 100%, c'est toujours un plaisir de revenir sur Metal Gear parce que il y aura toujours des armes que t'auras pas complètement testées. T'auras pas tout personnalisé comme tu le souhaites, occupé de ta base, enfin, tu vois, t'as tellement de détails, c'est tellement poussé qu'en réalité, quand t'as fini, t'as pas vraiment fini le truc, tu vois. Et pour moi, ça, ça veut tout dire, c'est... Voilà, quoi. C'est... En plus de ça, il y a le MGO qui est sorti, on sait pas, bon, par contre, apparemment, j'ai pas entendu des très bons retours, bon, de toute façon, le solo... Comme quoi, c'est un jeu d'infiltration, alors que le MGO, ça se veut plus du brainage. Mais bon, c'est le mode en ligne qui veut ça. Chaque mode en ligne, tu vas pas caresser les gens dans le sens du poil, tu vois. T'es obligé de faire... Attends, oh non, dis-moi pas que ça va recommencer, là, pour mon repérage. Du genre... Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, donc là, on va continuer, on va avancer jusqu'à la mission, c'est quoi? L'infanterie ou je sais pas quoi là. Encore un soldat hautement qualifié, j'ai hâte de t'avoir toi. Mais il n'y en avait pas une juste en bas là, plus proche. Moi, elle est pas vraiment si proche en réalité. Donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ce jeu, enfin à découvrir plutôt, à faire les armes, je sais pas, j'ai dû en tester même pas, j'ai dû même pas en tester la moitié des armes. Putain, je vais avoir plus de... Ah bah attendez, on va voir ça tout de suite. Hop. Regarde, le mecton, il a 120 heures de jeu et... Il a même pas utilisé la moitié des armes qu'il y avait et la moitié des équipements, tu sais, au niveau des armures, au niveau des armes de soutien. Tu vois, c'est pour te dire, gars, faut pas s'inquiéter sur la durée de vie du jeu. Faut plutôt s'inquiéter sur le temps que tu vas y passer dessus, tu vois. Pour comprendre le jeu et pour... Putain, il y a une tempête, je sais même pas si je suis... Ça m'énerve ça les gars, je me repère mal là, putain, faut que je fasse tout ça, après je revienne ici comme ça. Et c'est comme ça qu'on t'aime. Voilà, super, alors je suis perdu et il y a la tempête qui vient me dire, bah, on va t'aider, ouais, c'est ça, tu vas m'aider que dalle. Putain, je suis deg. Heureusement que j'ai une vision de lynx, tu vois ce que je vais dire. Pas de lunettes, pas de lentilles, mais...
T'inquiète pas, qu'on voit les choses venir, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis comme un félin, je vis dans le noir, je meurs dans le noir. La phrase du philosophe, mon gars. Je vais me planter. Non, ça va. Ben moi, ça me fait plaisir. Là, je suis devenu actif sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai pas encore beaucoup d'interactions, mais tu vois ce que je veux dire, c'est normal. J'ai délaissé ma chaîne pas mal de temps. Avant, j'avais pas proposé de la bonne qualité. J'étais pas suréquipé. Même maintenant, hein, je suis pas suréquipé. Hein, je vais pas vous le cacher. Mais hier j'ai vu une vidéo d'un gars sur YouTube qui donnait des conseils, enfin il donnait pas des conseils, enfin si, dans quelque sorte si, il en donnait. Et franchement le gars, il avait raison, il avait raison. Il disait en gros que t'as beau avoir 1 million d'équipements, les derniers trucs à 1 000 euros ou quoi, si t'as pas une certaine façon de présenter ou une originalité, bon ça je savais déjà, mais il a fait que confirmer ce que je pensais. Et il a raison, il a raison. Le problème de YouTube, c'est soit tu te fais pistonner par un gros YouTubeur et ensuite tu lui suces la bite pour essayer de gratter le maximum de viewers qu'il a, hein? Bon ça c'est une technique, c'est une technique quoi. Mais bon, ouais, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi j'ai envie de me faire tout seul, propre nom tout seul, demander de l'aide aux autres, ça m'intéresse pas. Et que les autres m'en demandent, ça m'intéresse pas non plus. À moins que je peux pas me dire je vais aider les autres alors que moi-même, tu vois, j'ai une chaîne, tu comprends, qui est pas très développé, y a pas un large public quoi. Alors est-ce que je vais me tromper? Non, ça va. Là, je suis obligé d'y aller en douceur pour aller à mon deuxième point et on va extrader un prisonnier, tu vois. Et Sniper, ça. Ah. Your enemy, you too. Sniper, mon gars. Fermez les yeux. Ouais, mais les gars, moi j'ai pas que ça à faire, moi. Attends, déjà je galère pour aller à une mission qui est à 1900 mètres, et en plus de ça, vous êtes là en train de me dire, oh, attends 2 minutes, mon coco, laisse-moi faire ma mission. Comme si la distance, elle était pas assez éloignée comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je disais déjà avant ça, les gars? C'est la zone D, hein. Ouais, c'est bon. Waouh, j'ai des nouveaux animaux. J'espère que ceux-là, je les ai pas. Hein. Fais voir. Ah, c'est des loups, c'est des wolves. C'est complètement des wolves. Je les ai déjà, les wolves. Je les ai déjà, mais je vais faire genre, je les ai pas. Je vais faire genre, je les reprends et après, je n'ai que 17 animaux, je crois, ou sur 47. Donc là, les gars, au niveau du temps, je vais essayer de vous proposer deux, voire trois vidéos sur cette, voire deux, trois vidéos sur cette, sur celle-ci, quoi, sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout dépend du temps, mais je voudrais pas que ça dépasse comme hier ma vidéo où elle fait 40 minutes. Disons, c'est pas un format que j'apprécie beaucoup parce que je me dis, les gens, ils ont pas 40 minutes sur une vidéo. De toute façon, ils vont pas la regarder en entière. Autant faire une vidéo courte que, tu
comprends? Faut s'adapter à son public, faut pas s'adapter que à son format, tu vois. Moi je sais comment réussir, comment avoir des vues. Mais le problème c'est que ça suffit pas. Même quand tu sais, tu vas pas forcément, comment te dire, t'as pas forcément ce que tu voulais réellement, tu vois, t'as jamais ce que tu veux réellement, tu vois, c'est comme dans la vie. Tu pensais avoir, tu penses, t'as des goûts sur des femmes, tu veux une femme comme ça, physiquement et tout, mais t'auras jamais vraiment ce que tu veux, tu vois, il y aura toujours quelque chose, tu peux pas choisir à 100%. Que ce soit un appartement, une voiture, une femme, une console, tôt ou tard, tu te dis merde, c'est pas vraiment ça que je veux. Tu vois, mon gars? Putain, mais il est où? Il est encore loin! J'en ai marre. Je suis en train de voir si la radio elle est pas. Si j'ai récupéré la cassette! Parce que moi je vais les cassettes des musiques, mon gars. Toi-même, tu sais. One shot, one shot. J'ai pris un abonnement avec du one shot, moi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas le temps. Détecter quoi? Hein? Ouf! Il fait mal, lui. Il a des bonnes notes partout. C'est le triangle d'or, le mec, tu vois, c'est tu te tais, triangle d'or. Vivement que mes armes de développement soient terminées et aussi que j'ai le trou de ver. Tu la fermes. Alors, cette radio, dis-moi que non, j'entends pas de son, c'est pas un bon signe. Mais si! Il y a carrément une cassette! C'est quoi le son? J'entends pas. J'entends pas. Yes! Planetscape! Ah, mais je sais pas si c'est une cassette audio, ça. Si? C'est une audio ou, enfin, je veux dire, c'est une piste MP3 ou si c'est une piste par l'autre planète machin? Je vais peut-être aller l'écouter, tiens. Mais ta gueule, t'es mort, toi. T'as des mecs, c'est des vaillants, hein. Ils ont ramassé des bastos. Mais ça leur suffit pas, hein. Ils veulent être achevés, eux. Tu sais, il m'a fait ça pour me faire comprendre. Achève-moi, s'il te plaît. Laisse-moi pas dans la merde. T'es mort, t'es mort. Tu sais, c'est comme le mec, il met son... Comment dire? Il est dans le désert avec son ennemi, puis il laisse, il lui donne pas d'eau. Il lui dit, tu te démerdes, c'est plus mon problème. Fermez les yeux, fermez les yeux pour ne plus se retrouver. Putain, ça me fait mal. Mon micro là, tu sais, j'ai un micro et en fait, il y a un côté de l'oreille où j'ai un seul écouteur en fait, j'en ai pas deux. Et tu sais, le deuxième là, il est pas en mousse. Et ça me tape dans l'oreille. Enfin bref. Ah, ça y est, j'ai trouvé une nouvelle façon de le mettre. J'ai fait la micro à la ricaine. Je l'ai mis à l'américaine, tu vois. Style à l'américaine, tu vois. Je parais qu'il y aura un sniper ici. Je vais le déguster. C'est chaud cacao. C'est chaud cacao.
toute façon, c'est soit il y a des snipers en haut, soit il y a des mines. Tu choisis, c'est au choix. Moi, je préfère les mines, mais je me les mange toujours. Ce que j'ai pas compris qu'en fait, ouais, vous êtes bien sympa là, mais je vais pas mettre 15 ans pour trouver la mission, moi. Voir le garde-poste, ça se trouve, il y a une radio que j'ai pas. Ça vaut le coup d'aller voir. J'aime bien aller voir dans les garde-postes, tu vois, je fouille un peu, je reviens retrouver des cassettes. C'est dommage, en fait, il y a un truc que je trouve dommage, c'est les plans en mission principale, si tu les as pas, s'il y en a que t'as pas pris, tu peux pas les récupérer en mission secondaire. Ça, c'est dommage, ça. J'aurais bien aimé, moi. Ça t'évite de refaire 15 fois, mais bon, de toute façon, il faut que je les refasse, parce que faut que je fasse les missions en rang S pour avoir le 100%, donc... Oui, mon chat, t'inquiète pas. Quand ils sont à terre, t'as pas besoin d'aboyer. C'est quand ils sont debout qu'il faut aboyer. C'est ce que je vais dire, mon chien. Mon chien, il a pas encore capté, mais bon, il va comprendre plus tard, il va comprendre. Enfin, on arrive à cette fichue mission. Attends, on va voir, on est à combien de minutes, parce que je voudrais pas faire un format de fou, tu vois. Alors, 21 minutes, mon gars, 21 minutes, ouais, disons qu'on est dans la tranche, mais que faut pas non plus, sais pas si je peux vous en proposer deux, quoi, trois, mais dites-moi un peu dans les commentaires, les gars, ça m'arrangerait beaucoup de savoir si vous préférez que je pars sur un format 2 ou 3 missions, en sachant que 3 missions, ça serait plus du 40 minutes comme hier, que du 30 à 20 minutes sur du 2 missions. Ça y est, on est arrivé. Ils ont dit qu'on était dans la mission, c'est ça? Ah, voilà, cool. Bah les gars, là, ce que je vais faire, je vais aller kidnapper un coco. Coco, coco, lequel je vais choisir, à gauche ou à droite? Te balance un petit somnifère. Sauf que... Ok. Bon. Mais de toute façon, pour cette vidéo-là, je vais faire juste celle-là. Pour cette vidéo, hein. Voilà. Bien de balancer un petit... Je voulais pas vraiment me faire repérer, mais j'ai pas la foi de d'attendre tout ça. Enfin, j'aurais pu, c'est vrai, mais bon. Ça nous fera un peu d'action. C'est vrai qu'une fois que t'as fini le jeu, que t'es pas obligé de faire de l'infiltration, c'est dur de rester orienté 100% infiltration. Sachant qu'en plus, après, t'as débloqué des armes. Tu vois, c'est... Putain, ils lâchent pas l'affaire, ceux qui sont morts. Ah non, il est pas mort là, il est encore endormi là.
Qu'est-ce que je fais, mon gars? Ta sœur, j'en étais sûr. Ok, c'est pas plus mal parce que, en fait, j'avais zappé. Je crois que c'était un prisonnier. Faut prendre un soldat hautement qualifié. Alors, je vais aller le pécho. Et je préfère le pécho dans les conditions discrètes parce que c'est rien, c'est rien. Mais genre l'autre fois j'en avais chopé un comme ça et il était haut, il était caché dans la baraque, tu vois. Bah maintenant il me reste plus qu'à trouver le gars.
Attention, il a une cagoule, celui que je veux. Je vais me mettre en plan large pour essayer de voir il est où, parce que là ils sont nombreux. Et... À tous les coups, il est dans la baraque en haut. À tous les coups. Parce que tous les coups sont permis. Ta sœur, allez, debout. Yes, encore une cassette.
Koi Love the Tenders. C'est la journée de la cassette aujourd'hui. Pourquoi? Non! T'es sérieux toi? Waouh! J'ai chopé le gars qu'il fallait? Mais comme je l'ai full tonne en tempête, ils m'ont dit que c'était pas bon. Putain, là je suis dégoûté là les gars. Genre j'ai fait tout ça parce que. Oh mec, je me casse la tête, j'ai fait Rambo, je le liquide et tu me dis que tu peux. Putain, donc les gars, conseil extradé jamais hein. Quand il y a la tempête, putain de ta soeur, je fais tout ça pour quoi moi? Purée. Alors ça veut dire quoi? Faut que je refasse une mission? Putain. Puis moi j'ai pas de bol. Comme par hasard, ça me fait ça. Non, mais non, mais non, mais non. Pourquoi je l'ai extradé? Pourquoi pile au moment où il y a la tempête? Ça m'a jamais fait ça, mon gars, jamais. Hein? Ouais, j'ai fait la mission dans le vent, quoi. À part pour récupérer une cassette et liquider 2-3 gus. Ah, tu parles, ça valait le coup, ça. Hein, les gars, vous en pensez quoi? Je me suis fait avoir, là. Pire, même. Donc, il y a une arme qui s'est développée. Celle que je voulais, quoi. Ah bah là j'ai plus la foi là, enfin si mais ça va faire une vidéo trop longue après, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, vas-y hein, on va demander l'hélico, puis voilà quoi, tant pis hein, en gros aujourd'hui j'aurais fait qu'une mission, ça fait chier parce que je voulais en faire au moins deux, putain. Bah là je suis à 90, 98, ça veut dire que sur ma prochaine vidéo, si je fais pas de file comme aujourd'hui, je vais arriver à 100 et il nous restera 57 missions. Moi je la ferai bien, mais les gars après ça fait un format trop long et moi ça me convient pas et surtout vous ça vous conviendra pas donc... Voilà le problème quoi. Donc de toute façon je fais une vidéo tous les jours en ce moment donc si c'est pas aujourd'hui c'est demain. Et ouais. T'as fait pipi? C'est sur les ennemis qu'il fallait pisser mon gars. Surtout le mec que j'ai full ton dans le vent, dans la tempête là. Bah ouais. Allez, viens. On va à la case. Oh, shit, man. Putain. Je l'ai pris pour rien, quoi. Bah tu m'étonnes. Il a rien vu dans le brouillard. Il a dû se dire, non, mais c'est mort pour moi. J'ai plus d'emplacement. Je sais pas où je dois aller. Bah voilà. J'ai full ton pour rien. Je voyais, j'aurais eu le trou de verre développé qui dure pas 1h50, 2h là. Ça va, c'est bah. Il aurait jamais eu ce problème. Il aurait mis dans mon portail et vas-y, ciao, basta. Mais non, il faut que le portail soit.
Bah vas-y les gars, ce qu'on va faire en bonus, comme mon arme elle a été développée, on va pouvoir la personnaliser. Et je vais vous montrer exactement. Oh là là, on est à 40 minutes là. Fais chier les gars, je suis dégoûté. J'ai pas envie de... Je veux pas cut ma vidéo quand même, attends. Moi j'aime pas cut mes vidéos. Faut que tu vois, faut que ce que je passe ce soit en une prise. C'est pas des... Tu vois ce que je... C'est pas des manies, des machins, des trucs. C'est boum, une vidéo, pas de cut, on balance. Tu vois le format ou pas? Mais je suis un peu dégoûté quoi, 40 minutes, je voulais partir sur maximum 30 minutes. Ouais, mon gars. Enfin bon. Donc on va aller juste personnaliser une arme. Hein. Ouais. On va essayer de voir... Ok, ça je l'ai déjà développé, ça marche. On va passer sur de la mitrailleuse. La numéro 4, là, elle m'intéresse. On essaie de la remplacer. Non, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Il y a un viseur? Ah ouais, mais je crois que je l'avais déjà testé, mais le viseur me plaît pas, hein. Tu peux pas mettre un viseur x4. Et c'est un petit peu trop limite par rapport à ma G44. C'est celle-là que j'avais développée? Oh là là, celle-là me plaît bien, hein. Là j'ai un petit coup de cœur, là mon gars, je t'avouerai. Ah, je t'avouerai qu'elle est pas dégueulasse celle-là. Hein. Elle est pas du tout dégueulasse. Alors, attends. Haute capacité, mon gars. Chargeur à haute capacité. J'hésite. Voilà, donc après fais voir. Bah écoutez, je crois que pour la prochaine mission, je vais la tester. Mais ma G44, ça va être difficile de m'en séparer parce que je l'aime vraiment bien cette arme. Après, je trouve qu'au niveau des de la différence, ça va se juger sur les dégâts, légèrement plus puissante en dégâts la mienne. J'ai un silencieux qui dure plus longtemps sur la MR4, la AMRS4, qui dure un petit peu plus longtemps. J'ai la portée d'efficacité qui est un peu plus longue, pareil pour la dispersion. Par contre, sur la ma G44, la correction de la visée est plus haute. Donc on va quand même la tester, hein. Je pense que d'ici la prochaine mission je vais la tester. Et je verrai laquelle me correspond le mieux. Hein. On testera ça sur la prochaine mission. En tous les cas, en attendant, on va s'arrêter là. D'ailleurs, mon développement trou de verre, c'est quand là? Qui se finit? Vous savez, je vais faire quoi? Je vais laisser les jeux tourner parce que sinon on va jamais avoir le trou de verre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais laisser le jeu comme ça en stand-by. Voilà, il me reste encore 54 minutes. Comme ça, pour la prochaine mission, normalement, quand j'extradis le soldat, que ce soit dans la tempête ou non, eh ben, j'aurai quand même la possibilité de l'extrader. Bon, allez, les gars, merci d'avoir suivi. Et à plus tard pour d'autres vidéos qui arrivent très prochainement.